Catchphrase, bande annonce. Bon, assez classe qu'on fait. Bienvenue à Perspective Animé. Si tu vois cette chose-là en ce moment, cette vidéo-là, c'est que t'es probablement sur la page de la chaîne puis tu te dis « Bon, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Mais c'est ça qu'on fait en ce moment. On démonte ça. Si t'es pas mode de la chaîne, je sais pas pourquoi t'as cliqué sur la vidéo, mais bienvenue. Bienvenue, on va faire ça ensemble, on va faire ça simple. C'est quoi Perspective Animé? C'est une chaîne YouTube. Bon, fin de la bande-annonce, tout le monde. Alors, Perspective Animé. Moi, comment je le vois un peu, c'est une place pour avoir du plaisir, une place où je peux m'exprimer, que je peux essayer de faire des blagues. Si tu ne me crois pas que j'essaie de faire des blagues, je te dis, tu vas regarder d'autres vidéos, tu vas voir des places où tu vas, ah, il a essayé. Ou sinon, tu peux juste te rappeler 10 secondes plus tôt. C'était pas drôle, c'était l'essai, ok? Sinon, Perspective Animé, c'est un peu, je pense, le but, c'est un peu d'être comme ton ami qui aime les mangas. Sans la partie où toi, tu peux répondre à ton ami. Puis ça, c'est juste le meilleur de l'amitié, dans le fond, que t'as. C'est juste moi qui te parle, puis ça, ça vaut de l'or, moi qui te parle. Parce que on est tellement des bons amis chez Perspective Animé, je te dis, j'ai déjà eu des commentaires qui disaient « J'ai regardé une vidéo, maintenant je comprends la vie. » J'ai pas eu ce commentaire-là, mais je l'imagine dans ma tête que quelqu'un le pense, puis... C'est probablement vrai que quelqu'un a été révolutionné dans sa vie à cause de ce que je fais, tu sais. C'est incroyable ce que je fais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, ben, on fait exactement comme un ami. Moi, je viens de voir, puis je te parle des nouvelles dans l'actualité de manga, puis comme ton ami, je te dis exactement les points que j'ai lus dans l'article, et rien de plus, vous. Si ça, c'est pas une raison de rester ici, hey. Sinon, je peux te parler, je te conseiller des trucs que j'ai lus, que j'ai vus, ou des trucs que j'ai pas lus ni vus, mais que j'ai lu le synopsis. Puis des fois, ça, c'est juste assez. Là. Parce qu'on est comme, ici, à Perspective Animé, on est comme ton ami. Tu sais, des fois, tu conseilles quelque chose à quelqu'un, tu l'as jamais vu, mais il y a quelqu'un qui t'a dit que c'était bon, puis c'est une personne, fait que ça doit être vrai. Okay? C'est ça qu'on fait chez Perspective Animé. Ou sinon, je peux t'arriver de te déconseiller des trucs que j'ai vus pour pas que toi, tu les vois. Moi, c'est ça le conseil, le conseil. C'est ça le but de déconseiller. Tu vois, je suis un bon ami. Moi, je t'explique des concepts de la vie. Okay? Je t'explique des mots, des définitions. C'est exceptionnel ce qu'on fait ici à Perspective Animée. Tu vas dire, est-ce que la vie de Perspective Animée compte plus que la vie de tes amis? Ben, vu comme on est un peu comme tes amis. Non, notre avis compte pas plus. Ça là, c'est ce que tu leur dis pour pas les blesser. Tu vois, je te donne des conseils de relation aussi, puis tout ça gratuitement sur une chaîne YouTube. Okay? Continue, tu sais, qu'est-ce que t'as besoin de plus pour vouloir t'abonner? Qu'est-ce que t'as besoin de plus? Moi, je comprends pas, là. Je t'ai tout nommé les raisons pour rester ici, puis regarder ça à l'infini. Bon, je vais parler juste une autre affaire de plus. Vu, c'est une chaîne aussi, on parle beaucoup de manga, mais je vais pas beaucoup parler de dessin parce que je connais rien au dessin. C'est pas mon intérêt. La seule technique de dessin que je connais, c'est dire à tout le monde, j'ai des spasmes, c'est pour ça que j'ai raté le coloriage, c'est des spasmes. Faites la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, j'ai pour ça que j'ai des spasmes, j'ai sauvé 1 million de personnes, puis maintenant, ben, je peux plus colorier bien. C'est ma seule technique de dessin. Moi, ce que j'aime, okay, ce que je vais vous partager, ce que je vais critiquer plus, c'est les histoires en tant que telles. Ça se peut aussi des fois que je tombe en amour avec les histoires. Ça nous arrive tout un peu de tomber en amour avec les histoires. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, la première chose que j'ai aimée, tu sais, que je pensais tout le temps à l'embrasser, c'était les trois petits cochons. Non, je parle pas des cochons, là, je parle de l'histoire. Juste pas le livre non plus, le concept. Là, t'sais, ça, c'est oh, juste à y repenser. Là, je vois. Ça m'excite full, ok? C'est incroyable les histoires. Fait que tu vois, là, après cette bande-annonce-là, t'as tous les outils nécessaires dans ton coffre à outils pour décider si tu continues à écouter Perspective Animée. Il y a juste une chose que je vais vouloir faire avant de partir. J'ai le goût de finir ça comme en mauvaise publicité de figurines. Feras-tu partie de la légende de Perspective Animée? Une légende intergalactique à travers tous les continents. Et c'est simple, tu peux y faire partie pour le simple prix de t'abonner. Rentreras-tu dans la légende de Perspective Animée?
et au-delà de l'univers de tout ça. Je continue pour aller fermer. Bye tout le monde. Abonne-toi, please.